Et salut tout le monde, c'est Redkill et aujourd'hui nous allons construire une base incroyable puisqu'elle va nous permettre de créer notre armée de robots. Donc allez les amis, c'est parti pour créer notre base avec notre premier convoyeur qui va sûrement nous permettre de créer nos premiers robots. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut? Va-t'en de moi! Robot, aide-moi s'il te plaît! Mais mes robots sont nuls pour l'instant, ils font rien du tout! Ah! Il a gagné parce qu'il a commencé à m'attaquer avant. Bon alors, comment ça se passe ici? Ah, je vais avoir la possibilité d'améliorer les épées de mes robots. Donc là, on est passé à l'épée de vent apparemment. Mais il est revenu! Mais c'est pas possible! Voilà! Maintenant, tu ne mettras plus un seul pied dans ma base. Alors, comment ça se passe? Vous pouvez également améliorer vos robots pour les améliorer davantage. Ah ouais, bah, ça serait bien de les améliorer parce que je vous avoue que pour l'instant, ils sont pas très forts. Hein. Donc là, on a la possibilité d'augmenter leur santé. Oh, pas mal, ok, je l'ai amélioré deux fois, c'est déjà pas mal, et puis on va pouvoir continuer avec l'être envoyant ou pas, y'en a pas d'autre. Pour que les améliorations prennent effet, il faut acheter des bras, ce sont les bases du robot tycoon. Ok, on va voir. Voici 5 000 $ pour commencer, et voilà, quelque chose d'intéressant, merci le tutoriel, et donc c'est parti donc pour pouvoir débloquer les bras de robot. Yes. Donc du coup là, je viens de créer un robot et apparemment, il est parti au combat. Oh, c'est incroyable. Alors, attendez, mais lui là, il va le défoncer ou pas? Ah non, il s'en fiche. Je sais pas qui c'est lui, je crois que c'est pas un vrai robot lui. Il doit être bugué, un truc comme ça. Ouais, du coup, mon robot est parti à la guerre là-bas tout seul. Moi, en attendant, je vais continuer à débloquer des trucs, hein, parce que bon, le plus important, c'est que je me fasse le plus d'argent possible, le plus de robots. Donc, hop là, on débloque les différents bras. On passe au 4e bras, au 5e bras, et on va pouvoir continuer avec un petit peu de décoration. Des petites caisses complètement inutiles, mais c'est stylé. Oh, un mur là de ce côté-là, alors qu'il y avait déjà un bout de truc, un bout de terre, donc ça sert à rien pour l'instant. Mais le convoyeur numéro 2 est juste là. On va pouvoir donc produire de nouveaux robots. C'est parti, au robot numéro 2. Alors attendez, je vais arrêter de produire des robots là pour l'instant, enfin d'améliorer mes convoyeurs. On va augmenter. Oh, ah ouais, la force. Ok, bras droit, bras gauche. Ok, moi je suis droitier, donc je vais mettre un peu de force. Tac, voilà, comme ça. Allez, un petit coup dans le bras gauche. Oh, et les jambes, c'est pour la vitesse. Donc là, il passe à 17 de vitesse, j'achète. Mais c'est trop génial. Fin de vitesse, c'est pas mal. Allez, je vais arrêter de vous améliorer. Je vais quand même garder un petit peu d'argent pour moi. Allez, vite. Plus vite que ça. Avance. Il n'y a que comme ça que j'aurai de l'argent. Donc alors, continuons donc en débloquant les bras numéro 3 juste là. Et ensuite, on va pouvoir prendre cela, les amis. Et ce que je vais faire, c'est que vu que ce tycoon a l'air incroyable, je vais directement prendre le foie de coins, qui va nous mettre tellement bien. Allez hop, 500 points pour mon petit compte. Ah, c'est encore le banquier qui va râler, ça. Bon, on va laisser mes petits robots se produire tranquillement. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Je suis en train de me faire attaquer. Ah non, c'est mon robot qui... Il revient, je crois qu'il s'est fait... Oh, ça y est, il s'occupe enfin de lui. Ça y est. Wow, bien joué mon pote. Je croyais que t'étais revenu parce que t'avais eu peur de ceux qui étaient là-bas. Mais non. Ah mais du coup, t'as pris sa place, d'accord. Ok, tu vas servir à rien pendant quelques minutes. Oh, mais il y a des joueurs qui ont des robots complètement fous, regardez-moi ça. Ah ouais, certains robots sont quand même beaucoup plus développés que les miens, c'est abusé. Donc allez, voyons voir la suite. J'ai eu un petit peu d'argent là, on va pouvoir continuer à débloquer les petits murs. Et vite, il faut mettre une porte qu'il arrête de rentrer, lui, c'est pas possible. Ah, là, je vais mettre la porte. Allez, vas-y, vas-y. Oh, il est bloqué. Non, il a pu l'ouvrir, c'est pas possible. Attendez, maintenant qu'il est passé par là, hop, je referme. Non, mais il y a encore une ouverture. Mur 3, ok. Par contre, il peut lui. Attendez, vite, 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 une porte, une porte, une porte, quoi. Après, s'il peut les ouvrir, ça sert à rien. Là, hop là, c'est bon. En fait, je suis en train de débloquer la décoration à cause de lui, alors que je devrais mieux débloquer tout ce qui est convoyeur pour gagner plus d'argent. Donc, allez, il fait que bugger. Il se téléporte, ce type. Hop, petit mur gauche, juste là. Et on va pouvoir continuer. On va pouvoir mettre la porte, les amis, et le plancher. Hop là. Et voilà, c'est bon. Maintenant, tu peux arrêter. Ah non, attendez, c'est ça qu'il faut que je débloque. Force field. Ah, ça m'a tué apparemment. Regardez-le. Maintenant comme un débile, il est bloqué lui. Donc allez, on termine le 2e convoyeur les amis. Et on va commencer à réaméliorer un petit peu ce petit noob là. Parce que pour l'instant il est pas très bon. Alors hop, on améliore la tête, on met la tête au maximum. Et le robot est complètement changé. On va lui rajouter un peu de torse comme ça pour plus de vie les amis. Et on débloque hop, le niveau 1 du torse. Ça c'est parfait, il a encore changé. Il est trop stylé mon robot maintenant. Hop, on va continuer à l'améliorer. Tac tac tac. Là, j'ai plus assez d'argent, je crois. Regardez, ce noob est revenu, là. Tu reviendras quand t'auras une bonne connexion, tu fais que bugger, mec. Bah, allez, moi, je débloque les convoyeurs numéro 3 pour toujours plus de robots. Ah, j'ai la possibilité de prendre un x3 boost pendant 15 minutes. Allez, je prends ça direct. Donc, allez, on va pouvoir continuer ce convoyeur-là afin, évidemment, de produire maintenant 3 robots en même temps. Et ça, c'est trop, trop ouf. Et en plus, j'ai pu tout acheter en une fois. Let's go. Attendez, il reste un truc et c'est bon. Donc, allez, je vais essayer de tout mettre à fond. La tête est à fond, le torse est à fond, le bras gauche, on le met à fond directement. Et il passe à combien de force, là, maintenant? On est à 17 de force, ce qui est pas mal. Mais il faut plus que ça. Hop, on passe à 20 maintenant. Le robot est trop classe. Allez, on va pouvoir le terminer pour tous les niveaux 1. Hop là, c'est bon.
on a notre robot ultime au niveau 1. Par contre, pour débloquer la suite, les amis, il faut des gemmes. Et pour l'instant, j'ai actuellement 0 gemme. Bon, on verra, on l'aura peut-être tout à l'heure. Donc allez, on prend un petit mur avant juste là, je sais pas ce que ça va être. Je crois que les amis, on va avoir des véhicules, donc c'est peut-être un garage qu'on est en train de faire. Hop là, rayon d'énergie numéro 2. Une production d'énergie juste là, avec des tours Tesla. Hop là. La porte du hangar. Oh oui, là ça va être ouf. Là ça va être incroyable. Le robot géant pâte. Wow. Dans 2 minutes, il sera créé. Il sera prêt à terrasser les ennemis. Ah, ça veut pas s'ouvrir par contre. Non, ça ouvrira que pour le robot. Bon bah, je reviendrai tout à l'heure alors. En attendant, je vais continuer donc mon tycoon avec un peu plus de style avec le chemin. Mais surtout un petit toit qui va me permettre sûrement de débloquer un premier étage peut-être. Non, toujours pas. Ok. On va aller de ce côté-là, on va aller voir ce qu'il y a. Donc allez, petite déco, pack wall. Est-ce qu'on va voir le même truc? Ah non, pas du tout. Débloquer après le garage. D'accord. On va vraiment avoir des véhicules, c'est sûr, à 100%. Mur droit, ok. Plantes en pot. Oh, des plantes en... Oh, magnifique, c'est très sympa. Ça plairait à ma maman, ça. Plantes en pot de chaque côté. On continue le chemin. Il est mort. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non, c'est juste abusé. Est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut voler? C'est pas qu'on peut voler. On peut pas voler. Pourquoi ils ont fait ça si on peut pas voler? C'est trop classe, en tout cas. Wow. Ok, 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 ok. Ah, il est tout petit, il est encore... Mais non. Il est tout petit par rapport à l'autre. Attendez, redonnez-moi celui-là. Ah non, il est aussi petit. Oh non, dommage, bon, c'est pas grave. On restera tout petit comme ça, c'est pas un souci. Hein. Oh, l'abeille ultime. Elle est incroyable, celle-là. Ces robots sont juste oufissimes. Allez, hop, on débloque la suite. Je sais pas ce qu'il y a encore. On est en train de faire tout et n'importe quoi. Wow. Celui-là, il est équipé, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, on continue à débloquer les morts. J'ai tellement d'argent, en fait. Je suis en train de produire, mais tellement... Le robot, c'est abusé. Allez, dernière morph. Oh, ce robot est tellement classe. Oh, regardez, il est contrôlé par un noob. C'est un noob qui le contrôle. Quoi, ça veut dire que c'est moi le noob? Bon, ok, pas de problème. Si c'est pour être aussi stylé que ça, moi, ça me dérange pas. Allez, hop, on débloque donc ce qu'il y a en face. Attendez, le robot, il est créé là-bas ou pas? Ah mince, je crois qu'il a été créé, mais il a dû partir au combat. Ah non, regardez, il reste 24 secondes avant qu'il arrive, donc allez vite, on y va. Alors à mon avis, les amis, pour débloquer les prochains robots, il va falloir acheter des gemmes. Donc j'en achèterai peut-être tout à l'heure si j'en ai, si le jeu m'en donne pas, et on va pouvoir donc découvrir les prochaines améliorations. Mais là surtout, on va découvrir le robot ultime, le robot géant. Ah, c'est pas l'ultime parce qu'à mon avis, on va en avoir d'autres après. Allez, c'est parti. 1-0. Wow. C'est juste ouf, regardez ma taille par rapport à lui. Alors lui, on va voir jusqu'où il va. Regardez, mes robots, ils sont hyper rapides, les petits, hein. C'est juste abusé. Alors attendez, est-ce que je peux améliorer mon robot géant? Ah non, je peux pas, malheureusement. Combien ça coûte? 150 gemmes pour débloquer les trucs suivants. Ok, ok, ok. Allez, les amis, on va tenter de prendre le centre. Au centre. Attendez, on peut pas améliorer les armes? Ah si, c'est là. Wow, il est en train de les défoncer. Attendez, je débloque l'épée de feu. Mais oui, j'ai oublié de débloquer ça. Mais ouais, épée de feu fantôme. Tac, on achète tout, on achète tout, on achète tout, on achète la 4. Allez, allez, vite, 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 épée de bijoux. Oh, mais là, il va être trop fort. Ah oui, son épée. Non, son épée n'a pas changé. Ça changera. Mais il vient d'attaquer mon robot, quoi. J'irai... Non, à mon avis, il y en avait un autre. Hop là, il faut aller prendre le centre. C'est sûrement le centre qui va nous permettre de gagner des gemmes, les amis. Hein. Bon, en tout cas, je vais continuer à améliorer. Ah mince, il me faut 50 gemmes pour améliorer. Donc là, c'est bon, j'ai la meilleure épée du niveau 1. Il faut aller prendre le centre. Oh non, mon robot géant est mort. Alors, je vais aller prendre le centre moi-même. Ça devrait fonctionner, j'espère. Je sais pas ce que ça va me donner. Hein. Allez, c'est parti, on prend le centre. What? C'est qui ça? C'est qui lui là? Mais c'est un... Mais c'est un joueur ça? Oui, c'est un joueur apparemment. Wow, m'attends de là. Non. Il veut m'expulser en l'air. Attendez, vite, vite, faut que je prenne le... Oui, c'est bon, j'ai le drapeau. Du coup, je sais pas ce que je vais gagner, mais lui, faut qu'il parte de chez moi. Va-t'en de là, mais tout, il a un hélicoptère. Comment il a eu ça, lui? Bon, allez, je vais retourner chez moi en me suicidant comme ça, c'est plus rapide. Donc, allez, on va pouvoir continuer là où on en était, et il me semble que c'est... Attendez, faut aller... Ah, c'est là. Oh, il y a tout... C'est ça, le garage? Ça y est, on va pouvoir avoir... Oui, c'est ça, parc de véhicules. On va pouvoir avoir un hélicoptère. Back wall, parfait, nickel. Parc de véhicules. Il coûte 5000, voiture stationnaire. Oh mais non, elle va être trop classe. Elle va être incroyable. C'est parti. Mais c'est un vaisseau incroyable. Attendez, on va prendre également celui-là. Je sais pas ce que c'est. Là. C'est une moto, c'est la même chose mais en moto. Et le suivant, c'est quoi? Dites-moi que c'est l'hélicoptère Spawner. Bientôt. Oh non, on peut pas l'avoir malheureusement. Attendez, lui, est-ce qu'on peut l'avoir ou pas? 35 000, ça coûte super cher. Bientôt Nice. Oh non, on peut pas l'avoir pour l'instant. Bon allez, on débloque le mur, on termine le garage, du coup, plante en pot. On va mettre le mur avant et on va pouvoir utiliser notre premier véhicule du jeu. Alors attendez, les amis, ce qui serait bien, c'est que j'achète des gemmes pour commencer à débloquer des. Les améliorations de mes petits robots, la porte de garage.
Ok, on va mettre toutes les portes de garage, parfait. Donc j'ai compté, si je veux toutes les améliorations niveau 2 de mes robots, il faut absolument 900 gemmes. Donc je vais en prendre 1200. Allez hop, c'est parti. Ok, c'est bon, je peux donc débloquer la deuxième partie de la tête. Et on va la... Wow, mais ça coûte cher par contre. Ok, on va se calmer. Oh, mon robot a complètement changé. Je vais l'améliorer une fois. Je pense que j'ai plus beaucoup d'argent. Tac, je débloque tout avec des gemmes. Waouh, on se met tellement bien. Tac, tac, et voilà. Alors attendez, on va essayer, mais pas trop. Attendez, j'ai plus de thunes là. Oh, il me reste 69 000, on se calme. Allez, on va utiliser donc la moto. Elle est incroyable. Ah, attendez. On se calme. Ah, il faut d'abord ouvrir, évidemment, et on peut y retourner. C'est parti. Oh, ça fait très fort. Hop là. Allez, hop. On prend le centre. Hop là, c'est bon. J'ai le centre, c'est parfait. Alors, on va aller voir la con... Tout le monde est parti. Ah non, il en reste un là-bas. Ah mais lui il a pas trop avancé encore hein, il a à peine les véhicules aussi. Attends, c'est abusé la vitesse qu'on a, c'est trop bien pour parcourir la map. Bon, allez, on retourne à la maison, hop, je vais essayer de bien me garer. Voilà, aïe, j'ai dit, bien me garer. Voilà, parfait. Oh, il m'a piqué un robot lui, il m'a piqué un robot, viens là. Tac, 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 tac. Venez me défendre mes robots, venez. Non, c'est pas possible. Reviens là toi, reviens là. Reviens là. Toc. Attaque santé, bam. Voilà, c'est... il m'a même pas touché, il m'a à peine touché. Hop, et on peut débloquer donc le sous-sol, les amis. Oh, on va faire un bunker. Mais non. Mais non, la salle des armes. On va pouvoir changer d'arme, enfin. Là, par contre, il va revenir, machin, je vais complètement l'allumer. Alors, attendez. Investment room. Oh, une salle d'investissement pour gagner de la thune. Ok, parfait, ok. Je vais tout débloquer ici. Porte. Allez, ouvre-toi, Sésame. Allez, allez. C'est bon. Alors, lumière, plante en pot, décoration d'armes. C'est que de la déco? Non. Dites-moi pas que ça va être que de la déco. Moi, je veux pouvoir avoir les armes. S'il vous plaît. Décoration d'armes, caisse, ok. Ouais. Moi, je veux des armes. Je veux le bazooka. Ah, weapon giver. Oh, c'est ça qu'il fallait. Alors, qu'est-ce qu'il give quoi? Oh, une nouvelle épée qui est beaucoup plus puissante, j'imagine. Allez, la suivante. Qu'est-ce que c'est? Épée de vent. Oh. D'ailleurs, en parlant d'épée, les amis, ça serait bien de débloquer les épées, voilà, avec des gemmes pour avoir des robots beaucoup plus puissants. L'épée steampunk, l'épée d'été. J'aimais bien la première. L'épée spatiale était incroyable. Et épée... Oh. L'épée de la terre, elle est trop stylée. Hein. Pour 100 gemmes, je pourrais avoir les autres épées aussi. On verra si, si j'achète ça. Allez hop, on continue. Est-ce que je peux avoir un flingue ou un truc comme ça? Oh, l'épée de feu. Oh, elle est trop classe, l'épée de feu. Elle est incroyable. Et la suivante, c'est quoi? L'épée fantôme. Oh, celle-là, elle va être cool aussi. Hein. Ouais, ça va. Oh, ça va, elle est cool. Allez hop, un petit pot de flair. Weapon giver pour continuer avec une arme et une petite épée spatiale. Ah, mais c'est les mêmes en fait que les robots. Hein. Oh! Je vous l'avais dit qu'elle était incroyable, celle-là, elle est trop belle. L'épée d'été maintenant, et on va débloquer l'épée de la terre qui va être juste là. Celle-là est belle aussi, hein. Attendez, hop, la 8. Oh là là, ouais, elle est trop classe. Et je peux même débloquer les suivantes alors que mes robots les ont même pas. Du coup, on va pouvoir les découvrir, voir si ça vaut le coup de les mettre pour mes robots. Alors, ça, c'est l'épée d'eau, ok. Ça, c'est l'épée de feu dragon. Oh, mais non. C'est officiellement mon épée préférée. Ah là, y a pas de doute là. Ah là, y a pas de doute, hein. Et ça, c'est quoi ça? Oh, mais elle est incroyable celle-là aussi. Modor épique, elle est trop stylée. Ah, c'est quoi? Donneur d'armes épique. Ah, c'est pour les suivantes, d'accord. Ok. Bon, bah, allez, on va aller dans la salle suivante. On a terminé donc la partie des armes. Étendre le sous-sol. Quoi? C'est hyper grand. Quelqu'un m'a pris une moto! Quelqu'un m'a pris une moto, vite! C'est lui, il arrête pas de me piquer tout ce qu'il y a dans ma base. Reviens là, toi. Reviens là. Sors de la voiture. Sors de là. Ah, c'est pas possible. Même moi, je l'ai pas essayé, cette voiture. C'est incroyable, ça. Allez, sors de là. Sors de là. Donc, allez, continuons de ce côté-là avec, évidemment, des petits bureaux. Ouh, avec des scientifiques en train de bosser. Ok, je vais tout débloquer. Les lumières. C'est quoi, graphique d'investissement? C'est pour voir si on a gagné de la thune. Oh, ça m'a l'air assez clair, clairement. Bureau suivant, 4700. Allez, on veut plus de monde qui bosse. 4800. Ok, pas mal, encore un scientist. On va mettre des bureaux également en face. C'est tellement classe. Bureau ici. On va avoir que des bureaux, en fait. C'est ça que vous appelez la salle d'investissement? Vous êtes cru à Wall Street ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, hop, le dernier. Hop là. Ah, mais non, l'ultra travailleur pour 600 $. 600 Robux, pardon. Non, je vais pas l'acheter celui-là, par contre. C'est très classe, tout le monde est là, tout le monde peut bosser. Oh ouais, il y en a qui rapportent de la thune. En fait, ils rapportent toute la thune, ils rapportent 10 $ toutes les X secondes. Je sais pas combien de temps, mais en tout cas, c'est parfait. On va pouvoir continuer avec la salle du portail. Du portail? Comment ça, la salle du portail? Comment ça? Un chemin, d'accord. Un portail pour aller où? Un portail... Mais non. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Niveau 1?
Niveau plus 50 coins par... Non, on va aller faire des combats. Les amis, je crois qu'on va aller faire des combats contre d'autres robots. Attendez, si c'est ça, ça va être incroyable. On va débloquer le niveau 2 aussi, plus 60 coins par kill. Les caisses, niveau 3... parfait, 70 coins par kill. Et on va mettre les trois derniers niveaux en face. Et nous on va aller faire le niveau 1 pour commencer évidemment. Bon bah écoutez, on va aller dans le portail, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est parti. Oh, mais c'est ça. Je vais me battre contre des types, donc là c'est le niveau 1 je pense. Et on a l'ennemi battle robot. BOOM. Oh, on l'a défoncé, par contre ils font tellement mal, faut faire gaffe hein. Faudrait pas s'en prendre deux en même temps. Il a plus beaucoup de vie lui, il faut le terminer. Vite. Par contre, attendez, mais ils sont hyper éloignés les robots, il faut aller les chercher à chaque fois. Allez, venez là, bande de noobs. Viens là toi. Boum, boum, parfait. Attention, j'ai plus beaucoup de vie. Parfait. Ah mais là les amis, je crois que je suis déjà au niveau 6 hein. Ce serait trop bien de pouvoir ramener mes propres robots. Allez, allez, je vais le terminer. J'ai failli mourir. En fait, ça va jamais se terminer tant que je ne meurs pas. Mais là j'ai vraiment plus beaucoup de vie malheureusement. Et j'ai pas moyen de me soigner, donc ça serait bien d'esquiver quand il va m'attaquer. Vas-y, attaque dans le vide. Ah, c'était pas dans le vide ça. Bon par contre il y avait un truc que j'avais oublié, c'était de mettre des petites fenêtres juste là, ça sera quand même beaucoup plus classe, parfait. Hop là, ça c'est quoi ça? C'est un petit toit, ça va être l'entrée? Ah mais non, ça va pas être l'entrée ça. L'entrée elle se fait par les convoyeurs. Oh, mais non, on va faire un étage, mais ça va être trop ouf. Attendez, on va mettre des lumières en bas. Waouh, cette salle est trop belle avec toutes les morphes. Allez go donc, s'attaquer à l'étage avec le chemin de l'anneau. Hein? Qu'est-ce que ce délire? Des nouvelles morphes, des nouvelles transformations, un quart du corps à 3200. Ah non, c'est pas un quart du corps, c'est un ne tombez pas du corps quoi. Allez hop, on débloque donc les nouveaux robots. Oh, trop stylé, on se croirait dans Portal. Hop, on va débloquer toutes les morphes, les chemins. Mais cette morphe est incroyable aussi. Oh là là. Oh. Ah, c'est mon robot préféré. Hein. Regardez-le, il est même pas joint là. Au niveau des ventres, c'est juste abusé. Il a juste sa petite gemme au milieu là. Oh, il est incroyable. Allez, un petit peu de toit pour ajouter un peu de beauté au bâtiment. Et on va débloquer des nouvelles morphes. Oh mais non, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, c'est quoi ce truc de ouf là? Vas-y, je vais le prendre. Ah ouais, d'accord. On va appeler le champignon. Et on débloque la dernière morphe de cet endroit là avec... Oh, il est pas très stylé celui-là. Bref, je vais reprendre mon jeune, c'est mon préféré pour l'instant. On va rajouter quoi? Encore des escaliers? Va y avoir encore un étage alors que j'ai pas terminé celui-là. Si ça, c'est pas stylé. Donc allez, hop, petit mur gold juste là, plante en pot, c'est parfait pour ma maman toujours. Et les gemmes, on peut aller chercher les émeraudes là-bas ou pas là? Alors, en tout cas, on termine cette pièce. Voilà, parfait. Hop, je vais de l'autre côté, merci. Pareil pour le garage, on va mettre des petites protections juste au-dessus. Est-ce qu'on va mettre des murs là ou pas? Je sais pas. Ah oui, on va en mettre. Hop, petit mur arrière. Les amis, ça me fait penser, ça fait un petit moment que j'ai pas amélioré mes robots, donc allez hop, on va mettre le torse au max. Ça a rien changé, hein. La tête est au max, les bras, on va les mettre au max. Tac, oh lolo, le bras de fou. Allez, force au max. Et alors, après, je vais arrêter parce que je vais plus avoir d'argent. Plante, en pot toujours, mur droit. Oui, on va mettre des murs partout. Ma base est juste incroyable. Allez hop, on termine cette salle. Waouh. Trop stylé, on peut mettre un toit ou pas? Bien sûr qu'on peut, et hop là. Des petites lumières évidemment pour mes véhicules et on est bon les amis. Alors on va avoir la possibilité de débloquer la porte ici et le toit de la salle principale comme ça. C'est parfait, je sais pas ce qu'il va y avoir ici. Je sais pas si on va pouvoir débloquer un truc. Pense pas, en attendant on va débloquer encore des lumières. Et à mon avis de l'autre côté on va voir pareil que le garage, il va falloir faire tout le tour. Ah non, regardez, des convoyeurs de minerais. Mais non! Hop! Upgrader juste là. Parfait. Il est magnifique. On va même en mettre plusieurs. Oh, celui-là est trop stylé en mode feu, là. On dirait des néons de feu. Aspirateur numéro 4. Waouh! Ah, j'ai une lueur qui me suit quand je suis... Ah ouais, c'est mon bras droit. C'est mon épaule, elle est incroyable. Ok, on va pouvoir débloquer des trucs à l'extérieur après. On va juste terminer le bâtiment, là, pour que ce soit très classe. Et regardez, mon robot géant, il va se battre. Hop! Petit mur avant. Petit plante en pot, juste là. Le petit toit, il est où? Il est là. Et notre salle terminé, terriblement belle. Waouh, ma base est trop classe pour l'instant. Bon, yep, je pense qu'il est temps de terminer le petit robot. Tac, on va lui mettre la jambe gauche au max. Et là, ils sont plutôt bien équipés. Hein. Pareil pour ça. Et let's go, ils sont incroyables maintenant. On va aller les voir juste après. Alors, comment je sors là par là? Je peux pas sortir. Ok, j'ai dû faire le tour et on va mettre... Ça va être un dropper de bois apparemment. Ah ouais. En plus, ils ont gardé la transformation que je leur ai donnée. Hein. Oh, c'est trop stylé. Alors, pareil pour un stun mineur. Donc, lui, il est à la pioche. Ensuite, on aura un col mineur. Donc, il sera à la pioche aussi, je pense. Ah ouais, c'est ça. Oula. Je sais pas ce qu'il a fait hier soir, lui. Ah ouais, donc, ils vont aller miner les minerais au fond là-bas. Hein. Donc, allez, il est temps d'utiliser ce véhicule, les amis, qui me fait un boucan. C'est un peu de fou. Hop, on va prendre le centre. Parfait, j'ai pris le centre direct. Et on va aller attaquer quelqu'un maintenant, les amis. Allons attaquer, c'est très cool. Bon, par contre, j'ai plus mes épées, mais c'est pas grave. Il est où, lui? Je l'ai vu, il est sur son convoyeur là-bas. Ça peut...
Ah mince, j'avais oublié cette partie-là. Ok, ce fut un échec monumental, mais nous allons pouvoir donc continuer à l'étage maintenant avec mur gauche, tac, tapis de donneur. Oh, de donneur de quoi? Speed giver. De donneur de vitesse, comment ça? Oh mais non. Trop bien. On va pouvoir commencer à être un peu plus sérieux. Donc allez, on va tout débloquer là, c'est 50% de vitesse, moi je veux le 200%. Ah c'est bon, on l'a, plus 100%, et ah oui, on est beaucoup plus rapide maintenant. Et maintenant on va rajouter un peu de saut. Et moi je veux le 100%, alors hop, on y va. Ah c'est le 80%, ok ça va, c'est pas mal. Donc voyons voir si c'est efficace. Ah oui. Donc allez, go au mur droit de ce côté là, on va encore débloquer des petits... Oh c'est ça, c'est l'hélico, il va être juste là. Yes! Combien il coûte l'hélico? 8000? 8000? Ah non, 11000! Ah ouais, d'accord! Oh là là! Waouh, il est trop stylé! Ok, on va le tester juste après. En attendant, on va débloquer un deuxième hélico, sérieusement! Ah, sauf que lui, il a deux rotors comme ça, trop classe! Il est beaucoup plus stylé que l'autre, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Allez hop! Mais attends, c'est quoi cette extension de piste? On va mettre quoi d'autre là? Mais la base est gigantesque en vérité! C'est juste abusé! Ah oui, on a une petite piste de décollage ou d'atterrissage. Et on va y mettre un jet apparemment. D'accord, ok, aucun problème. Oh là 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 là, regardez-moi ce rafale de fou. Bon, attendez, on va rajouter un peu de chemin pour aller jusqu'à là-bas évidemment. Je pense qu'il est temps de tester le jet en priorité. C'est parti! Wow! Aïe aïe aïe, qui c'est qui nous a mis un arbre juste là? Ah! Ah, je contrôle plus rien. Ouais, on va tester l'hélicoptère cette fois-ci. Ça sera beaucoup plus simple. On y va. Oh, let's go. Oh, il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est? On va aller voir. Oh, mais c'est la reine. C'est la reine où on a été tout à l'heure. Est-ce qu'on peut y aller? Ah oui, on peut y aller directement. Oh, c'est abusé. On est en train de break le jeu, là, les amis. Il est complètement cassé. Et coucou. On peut leur tirer dessus ou pas? Non, on peut pas tirer. Oh, dommage. Bon, allez, je m'en vais, les noobs. Salut. Donc, allez, on retourne à la base. On a encore pas mal de trucs. Aïe, à débloquer. Ok, c'est bon, il a disparu, parfait. Les fenêtres juste là, histoire de terminer cet endroit-là. On va rajouter le petit toit. Il est où le toit? Il est là. Hein, c'est quoi ça? Texte? Oh, Robot Tycoon. Si ça, c'est pas classe. Moi, je pensais que ça allait mettre Red Kill Tycoon, mais non, pas du tout. Hop, petit mur à l'arrière. On a le petit toit, évidemment. Les petites lumières qui sont juste là pour 7130. Ah, c'est dommage que ça mette longtemps à arriver. Voilà, c'est bon. La porte, évidemment. Et on va pouvoir s'occuper donc de tout ce côté-là en face. De nos petits machins téléguidés là. Et on va pouvoir voir des convoyeurs de drones. Sincèrement. Mais non, mais non. Mais c'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable ce jeu. Alors hop, stun mineur drone. Il va aller chercher des drones, un petit upgrader qu'on va mettre là aussi. Oh, waouh. Ah c'est pas n'importe quel drone ça. C'est pas n'importe quel drone, je vous le dis moi. Hop, drone suivant juste là. Celui-là je peux pas le prendre. Un petit mur, ok. Upgrader numéro 2, hop là. Ah je crois qu'on aura pas plus de drones malheureusement. Je vais quand même mettre les upgraders. Hop, petit toit ici. Les lumières, parfait. Et le dernier upgrader je pense. À moins qu'il reste d'autres trucs. On va mettre d'autres trucs là ou pas? Oh, il y a un drone, il est parti. Ah mais on va encore mettre des upgraders. Ah ouais, c'est abusé. Et ça y est les amis, j'ai mis tous les upgraders. Ah non, regardez, il en manque quand même quelques-uns encore. Waouh, je suis à l'upgrader numéro 19. Et on débloque. Ah non, le 20 est payant. Et ça y est, on a tous les upgraders de cette pièce. C'est abusé. Et apparemment les amis, on aurait terminé donc le tycoon vu qu'il me propose de faire un rebirth. Et regardez ma magnifique base pour créer des robots. Franchement, ce tycoon était incroyable. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu et moi je ne partirai pas tant que je n'ai pas pris le centre. J'y vais à la mano. Oh, attention, l'hélicoptère qui me retombe sur la tête. Et le centre est à moi. Allez, ciao tout le monde. Bye bye bye. Cliquez sur une autre vidéo qui s'affiche sur votre écran. Ciao tout le monde.